Alors, on se relance. Nous sommes normalement en 720p. Alors, est-ce que vous avez le 1720p? Le 1720p. Bonjour, Docteur Nintendo. Docteur Nintendo, commence à chauffer. Commence à chauffer, s'il te plaît, les Mario Fail en emoji. S'il te plaît. Alors, les pièces rouges au Port Rico, salut à vous et bienvenue sur Juluwam. Alors, il a le 720p, Anto il a le 720p aussi. Est-ce que vous voyez une différence réelle sur la qualité de l'image? Mais par contre, vous n'avez pas le 720p. Maintenant, il faut savoir si ça marche pour Chef Puma. Est-ce que ça marche pour Chef Puma? On verra, moi je ferai mon propre avis, justement, on va faire un live en 720p, ça serait peut-être les lives de comment ça s'appelle? Ça serait les lives de sauvegarde, on pourrait dire ça comme ça. Pour être sûr qu'il y ait tout le monde qui regarde les vidéos, après pas tout le monde. Ouh là là, il a chauffé les Mario Fail. Il a chauffé les Mario Fail. C'est bon. S'il a chauffé les Mario Fail, on est bien. Alors, les pièces rouges, elles sont où dans ce niveau? Oh, il y a un marché qui est apparu. Non, c'est aussi bien le 720p. Ben, c'est parfait. Maintenant, il nous faut la réponse de Chef Puma. Il nous faut la réponse de Chef Puma pour voir s'il arrive à lancer le live. Par contre, t'as bien compris, Chef Puma, qu'on ne peut pas faire le 480p. Hein. On va pas déconner non plus. Hein. Faut qu'on soit au minimum en HD. Hein. Alors, par contre, je ne vois aucune pièce rouge. Pourquoi j'appuie sur la map à chaque fois? Je ne vois aucune pièce rouge, les gars. Les pièces rouges de Port Rico, ça rigole pas. Hein. On va lui parler. On va pouvoir enfin retrouver la paix. Mon Dieu, ils ont tué Dora! Ils ont tué Dora! Le meurtre de Dora et de Nemo. Ils ont déconné, là. Ah oui, le Dead End, je l'ai vu. 720p sur le télé 4K, il m'a dit. C'est pour Chef Puma! C'est pas pour moi. Mais il est où, Chef Puma? Alors, Chef Puma, il est là ou pas? Dory, pas Dora. J'ai dit Dora? J'ai dit Dory, les gars. Chef Puma. Attendez. Chef Puma, verdict. Alors. Les gars, moi, je vois pas de pièce rouge, là. Hein. Je vois pas de pièces rouges là. Hein. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule dans ce niveau. C'est pour Minecraft que je le fais, le Dead End. D'accord, je comprends mieux. Les gars, on a un gros problème. On a un gros problème. Je cherche des pièces rouges. Et je n'en vois aucune. C'est pas possible. Je crois qu'on va changer de niveau. Ils les auraient foutus dans les égouts? Est-ce qu'ils les ont foutus dans les égouts? Ils ont foutu dans les égouts ou pas, les gars? Par contre, je me souviens plus de ce boss, Docteur Nintendo.
Honnêtement, sincèrement, je ne me souviens plus de ce boss. On va voir ici, peut-être. Attendez, il y a un hélicoptère là-bas. Putain, ils sont sérieux, ils m'ont fait tomber. Ils m'ont fait tomber, mais qu'est couillon. Du coup, je tente de reproduire tous les monstres présents dans le jeu. D'accord, je comprends mieux. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo du boss original? Parce que j'ai plus le souvenir de lui, hein. Oui, ça marche bien, Wham. Je vois tu es dans un aéroport. Un aéroport? Un port tout court, T41. Un port tout court? Attendez, on recommence. Il y a marqué quoi? Les pièces rouges du port Rico. Non, mais franchement... Elles sont où, ces pièces rouges, là? Toujours pareil, le premier soleil du live, on est toujours en galère. On est toujours en galère. J'ai mis sur le Discord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et les pièces rouges, tu les vois de loin d'habitude. Je vais essayer de me dépêcher là pour pas qu'il me vise celui-là. Mais où sont les pièces rouges? Non mais là, je suis en galère. Elles sont sous l'eau, je sais pas moi. Non, c'était une blague du 720p, l'aéroport. Par contre, la nage est horrible comparée à Mario 64. Hein. Non, bah écoutez... Franchement, franchement, là, paumé les gars, paumé, mais au fond du rouleau là, tu peux envoyer le fail, tu peux envoyer le fail, Docteur Nintendo. Alors j'ai pas de nouvelle chef Puma, on avait relancé le live pour lui et il m'a dit ok relance, je te dirai. Et par contre il est pas là. Vous pouvez prévenir Chef Puma dans le Discord. Ah ouais, là, le fail, il est mérité, là. Attendez, je les trouve pas. Ramasse 8 pièces rouges avant la fin du temps imparti. Mais ils sont sérieux. Ils me disent pas qu'il y a un bouton. Elles sont où les 8 pièces rouges? Ok, elles sont là. C'est bon.
Je l'ai pas eu. C'est bon, on a trouvé. Tu vois, c'était le timing près, Docteur Nintendo. C'était le timing près pour trouver où étaient les pièces rouges, en fait. Putain, il fallait faire un saut. Un saut rodéo sur ce... sur cet enfoiros de boutons, de pustules, de je sais pas d'où. C'est déconné, hein. C'est déconné. Alors là, le roi, mais il est pas content. Le WAM, il est pas content, les gars. Il est pas content parce qu'on lui a pas dit qu'il fallait appuyer sur le bouton rouge. Non, mais franchement. Alors là. Fallait qu'on le dise qu'il fallait appuyer sur le, bon, sur le bouton rouge, là. Ramasse 8 pièces rouges. Tu me mets... Tu me souhaites bonne chance, je passe au plus dur, le texturage. Mais le texturage, ça veut dire que tu vas... Ça veut dire que tu vas mettre, en gros, des blocs par-dessus ton armature, si je puis dire. C'est ça? C'est ça, le texturage? Putain, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. On va pas l'avoir. Oh putain, il faut l'avoir du premier coup. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Un grand classique. Un grand classique de... Où est passée la 7ème compagnie? Si je me trompe pas, Anto. Hein. Mais je vais plutôt peindre mes blocs. Créer la texture, quoi. Ah, d'accord, tu vas peindre des blocs exprès. Tu vas teindre des blocs. Je comprends. Je comprends, Docteur Nintendo. Je comprends. Eh, les gars. Elles vont pas commencer à nous faire chier, ces pièces rouges, là. Alors, déjà qu'on a galéré à les trouver et pour appuyer sur le bouton... Faut pas me la faire à l'envers. Ah putain de merde. On est à 4. Là, au pire, on va prendre bien large. Encore 3. C'est où qu'il faut aller? Ici. Ok, 6. 7. T'en as failli mourir. Où est la 8ème? Oh, la 8ème, elle va être en galère. J'en suis sûr. Elle doit être cachée derrière. Non, elle est pas cachée derrière. Attention de ne pas taper. Où est la 8ème? Je ne vois pas la 8ème. Putain, je ne vois pas la 8ème. Je ne vois pas la 8ème, les gars. On est dans la merde. Il reste 30 secondes. Où est la 8ème? Mais elle est cachée où? Oh, mais quelle arnaque! Wam qui va chercher la paye. Les animations. C'est simple à créer, mais la texture, je sais pas. Mais tu es sur quoi? C'est ça, génial ces films. Ah, ils sont excellents. Hein.
Attendez, non mais là, cette histoire de pièces rouges... Et lui qui me rentre dedans, sans déconner. Il me rentre dedans, sans déconner. Abusé. Abusé. Merde, d'une bombe. Eh, hey, t'as choisi le bon émoticon, T41. Bon, les gars, on est foutus. On est foutus, je ne sais pas où est la huitième. La huitième, franchement, aucune idée. Sur un logiciel exprès pour créer des modèles, textures et animations pour Minecraft. Ah, carrément. Où est cette huitième ? Ah putain, je l'ai raté. Ah, peut-être en l'air ici, hein. On va prendre large ici, comme tout à l'heure. Parfait. Ok. Là, on saute. Magnifique. Putain, je me suis pas planté. Putain, ça va être long. Faut que je refasse l'ensemble des monstres existants. Oui, désolé, j'étais reparti sur mes maths du coup. Comme ça, marchait pas. Le partage de connexion fonctionne cependant. Alors, on est en 720p, chef Puma. Est-ce que ça fonctionne? On a perdu la pièce Ryan. Le soldat Ryan. Très bon film, hein. Il faut sauver le soldat Ryan. Un film énormissime, hein. Alors, on a tous été choqués par cette première scène du débarquement. C'était un truc de fou. Le film, il commence comme ça. Tu comprends rien. Tu prends ça dans la tronche. La scène du débarquement, je pense qu'on peut la classer dans l'une des meilleures scènes de l'histoire cinématographique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a tous été impressionnés par cette scène, non? D'abord, est-ce que vous avez vu le film Il faut sauver le soldat Ryan? C'est une très belle histoire en plus. Très belle histoire. Ok, on va faire un record de ouf là. Ok, on a tout réussi là, hein, ça rigole pas. Donc là, on prend large, exprès. Ok, là va falloir sauter, on a dit. Parfait. Ok. Bon, où est cette huitième? Où est cette huitième? Alors là, il n'y a pas un plan ou quelque chose. Ben ça marche seulement en partage de co. Le réseau de ma résidence, il doit être surchargé le soir comme tout le monde est là. C'est clair. J'avoue. Et t'es en quoi? T'es dans une cité universitaire ou t'es à ton propre appartement, chef Puma? Si, c'est pas indiscret, bien sûr. Donc ça marche en partage de co avec ton téléphone en fait. Alors attendez, ici, pièce bleue, d'accord. Pièce bleue que j'arrive même pas à récupérer. Alors là... Ah, ici, c'est bon, je l'ai trouvé. Oh là là, il n'y a personne qui l'avait vu, hein. Bon, sûr, vous l'avez pas vu. Mais les yeux de Wham ne ratent rien. C'est elle est ici. Oh là là, mais comment tu vas la chercher? 3 secondes.
C'est bon, je sais où aller. Oui, en cité universitaire, donc la connexion marche bien quand tout le monde n'est pas connecté dessus déjà, effectivement. Effectivement, l'eau est belle, n'empêche. Oui, c'est assez bien fait pour l'époque. La GameCube était quand même assez puissante. Hein. Elle était quand même assez puissante, la GameCube. Hein. Elle est sortie un petit peu après la PS2. Donc, c'était pas du matériel de merde à l'intérieur, clairement. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Vraiment quelque chose d'intéressant, la GameCube. Et puis aussi pour le volume. Pour le volume. C'était vraiment un petit cube qui avait pas mal de gouache à l'intérieur. Du coup, c'est quoi le problème du multi-encodage ? Apparemment, c'est priorité aux partenaires, ensuite les affiliés. Et donc, ça peut... En fait, plus il y a de personnes qui utilisent l'encodage, et moins il y a de chances que tu puisses l'utiliser. En gros, c'est pas tout le monde. C'est fou quand même, hein. Quand même assez surpris de ce choix de Twitch. Mais je vais quand même essayer de me renseigner un petit peu plus. Parce que là, vous avez accès qu'au 720p, on est d'accord, hein. On est d'accord, vous avez pas le 480p, hein. Attention. 6... Alors attendez, comment on va faire là? On va faire ça. Putain, mais sans déconner. Sans déconner. Hein. Je rappelle qu'on a commencé ce live il y a 23 minutes. Et nous n'avons même pas récupéré un soleil. Là, ça va, ma connexion 4G se recharge demain. Mais je pourrais pas suivre à chaque fois s'il n'y a pas moins. Je vais arriver à court sinon. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Je prends note. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais essayer de bien me renseigner quand même sur le truc. Je vais envoyer un mail à Twitch pour tout te dire. Oh putain. Je peux freiner ou pas? Bordel de merde. N'empêche que ces pièces rouges, je me suis fait berner. Hein. Je me suis fait berner parce que je pensais réellement qu'elles seraient vraiment visibles tout de suite, alors qu'il fallait vraiment appuyer sur ce putain de bouton. Ok. Alors là, est-ce que ça serait pas plus simple de passer par là? Voyons voir. Je pense que c'est plus simple. Sérieux. Tout ça pour ça. Comment on fait pour revenir? Faut que je saute dessus carrément? Faut que je saute dessus, je crois. Cache, sinon... ça marchera pas. Allez, je remonte sur un autre. Génial. Voilà. Parfait. Eh ben, du dent, on aura mis le temps pour celle-là. Hein. Oui, je l'ai vu. Quand même, la pièce rouge. Ah, tu l'as vu. Mais dès que je t'ai dit où elle était, T41, rassure-moi. Dès que je t'ai dit où elle était, hein.
Non mais je vais me renseigner là, chef Puma, c'est pas possible. Je pense que... Si le 1080p est unique, ça devient fortement problématique. Merci pour le GGT41. Anti-Mario se fait arroser. Eh bien, tu me rediras pour le mail, mais si j'imagine que la réponse arrivera, pas de suite. Eh, réponds de vite, hein. Twitch, ils répondent très très vite, hein, faut pas croire. Hein. Je les ai contactés parce que j'avais perdu, ou en tout cas mon adresse mail pour laquelle j'utilisais Twitch ne fonctionnait plus, donc je pouvais pas recevoir le mail de... Comment ça s'appelle là? Le mail qui te confirme ton changement d'adresse. Putain, sans déconner, comment je vais faire comme ça là? Et comme ça. Faut que je l'arrose là ou pas? Prends ça, Mario! De la jute! Prends-toi ça, mon petit Mario! Il est où, cet enfoiros? Et où il est parti, maintenant? Comment elle a fait pour monter, là, sérieux? Oh, putain! J'ai réussi à monter! Il est où, ce con? Ah, il est là-haut! Mais comment il a fait pour monter là-haut, ce con? C'est pas possible, techniquement. Ce n'est pas possible, techniquement, de monter là-haut. Comment il a fait? De la jute, Wab? Tu as compris, toi, je pense, Docteur Nintendo. Tu as compris, j'imagine. Oh, ça va être dur de le choper, là, l'anti-Mario. Ah, j'ai réussi à le choper, quand même. Oh, mais t'es sérieux, les sauts qu'il te fait? Ah, mais il te fait des sauts de ouf! Non! Mais qu'est Mongol? Mais qu'est Mongol? Qu'est Mongol? Qu'est Mongol? Mongolito is back. Franchement. Oh putain, non mais cette jouabilité, sérieux. Oh. Cette jouabilité lourde. Ah Wam, t'en pensais quoi du jeu Use Your Words? Mais c'était pas mal, je pense que ce jeu-là, sur une soirée, ou alors sur une fois que t'as fait tous les thèmes, bien sûr, c'est terminé. Mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Vous croyez qu'il faut que je la smate Oh quoi? Mais quoi? J'ai fait le saut de ouf et je suis tombé. Mais ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Je fais le saut du siècle. Ah oui, non, mais c'est clair. Puis en plus, ça sort de l'imagination de chacun des joueurs, donc c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, chef Puma. Hyper intéressant. Qui c'est qui me regarde là, comme ça, là? Bon, il est où, ce con, là? Je pense que je peux grimper, là, non? Non mais t'es sérieux? J'arrive pas à l'avoir. Oui, c'est bon! Oh là là, c'était une galère. Et qui était le meilleur, Wam?
tu sais que si je réponds toi, docteur Nintendo, tu vas être content. Mais j'avoue que tes idées étaient plutôt intéressantes. Elles étaient plutôt intéressantes, effectivement. Mais là, on est en 720p, chef Puma. Ta connexion Wi-Fi, ça déconne aussi ou pas? Parce qu'on s'est mis en 720p. Mais en 720p, avec ta connexion Wi-Fi de la cité universitaire, ça fonctionne ou pas? C'est ce test-là qu'on te demandait, en fait. J'ai gagné une partie, donc ça va. Bon. Insatiable Yoshi, ça me fait plaisir parce qu'on va découvrir Yoshi dans ce live. Et ça me fait plaisir. Ah, l'arrivée de Yoshi. La première fois qu'on a Yoshi en version 3D, si je me trompe pas. Est-ce que je me trompe? Première apparition de Yoshi en 3D. Et je trouvais qu'il était très réussi. Et ils ont gardé le même design pour ce Yoshi, pour les Mario Galaxy, tous les autres Mario, en fait. Et ça, c'était pas mal. Putain, mais je peux accélérer, en fait, ici. Donc, si je me souviens bien, il faut trouver l'œuf. Et ensuite, donner des fruits à manger, je crois. Alors, où est l'œuf? Où est l'œuf? Ben, normalement, ça marche, oui, mais ce soir, ça veut pas. C'est pour ça que je suspecte une surcharge du réseau. D'accord, je comprends. Je comprends. Alors, on va monter ici. Je sais qu'il doit avoir un œuf quelque part, normalement. Où est l'œuf? C'était bien un œuf pour trouver Yoshi. C'est fou, parce que c'est là où on se rend compte qu'en fait, ce Mario, ce Super Mario Sunshine, il était vraiment dirigé sur du monde ouvert. Non, je demande pas pour me satisfaire, je demandais pour savoir, mais Chef Puma fait de très bons jeux de mots. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Non, franchement, j'ai trouvé ce jeu très intéressant. Et c'était sur quoi? C'était sur PC? Ce jeu est uniquement sur PC, il est gratuit, il peut se télécharger où? Ou c'est sur téléphone, je ne sais pas. PC et téléphone. Où est Yoshi, les gars? Où est Yoshi? Yoshi doit être dans la cage, je pense. Non, c'est le soleil qui est dans la cage là-bas. Insatiable Yoshi. Bitler était plus beau pour toi. Était le plus beau pour moi. Ah oui, j'avoue. C'était le petit nom que tu donnais à ton sexe. Si je me trompe pas. Hein. Alors. Les gars, on est en galère. On est en galère. Il y a très peu d'indications, hein. C'est vraiment les jeux à l'ancienne. Hein. On se rend compte qu'on n'a pas franchi le cap des jeux où tu es pris par la main et qu'on te dit faut aller là, tel endroit. Parce que dans tous les jeux d'aujourd'hui, là, tu aurais un repère sur l'écran pour te diriger où tu dois aller. Hein. Ça n'existe plus les jeux comme ça où tu dois chercher par toi-même. C'est vrai les gars, carrément. Hein. Ça n'existe plus. Cela n'existe plus. Comment aller là-bas?
Alors, une personne doit avoir le jeu et il doit partager son écran pour permettre aux autres de jouer. Les autres joueurs doivent se connecter via un lien et un mot de passe dans le salon. Donc, de par un PC et un tel, n'importe. Ah oui, d'accord. Et donc, le jeu. Mais en fait, Dr. Nintendo, il me dit, ben en fait, il faut un joueur ayant le jeu, et après, oui, ben c'est ça, il m'expliquait la même chose, Dr. Nintendo. Il faut juste que tu aies le live du jeu, avec le live du joueur, avec le jeu, un autre écran, pour taper. Ouais, d'accord. Toi, toi, en tant que joueur secondaire, tu n'as que tu n'as que la page web pour écrire ton texte. Par contre, il faut que tu vois le live du joueur pour voir l'image et pouvoir la commenter. Mais le jeu est payant, mais une seule personne doit le payer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il se trouve où? Sur Steam, c'est ça? Bon, après, c'est un jeu qui aurait du mal à passer sur les plateformes de... sur les plateformes de live. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos de films où là où il fallait faire le, par exemple les, là où il fallait faire le doublage ou les sous-titres plutôt. Oui, sur Steam tu peux le trouver. Je sais pas s'il est streamable ce jeu, parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos de films qu'il fallait sous-titrer, et ça c'est... ça, c'est assez problématique. J'avais un très bon jeu de quiz sur PlayStation 3 avec des questions-réponses sur des scènes de films. Donc, je crois que c'était Scene It, le titre. Et le problème, c'est que j'avais essayé de faire une vidéo sur YouTube et elle a été bloquée. Bon, il est où ce putain d'œuf, là? Attendez. Je vais voir si je suis un couillon ou pas. Je vais taper Insatiable Yoshi. Juste pour voir si je suis un con ou pas. Insatiable Yoshi. Mario Sunshine. Attendez. Ah, c'était bien ça. Il y a un 9. Alors, vous devez dans un premier temps avoir terminé l'épisode 4. Oui, très bien, on s'en fout. Ben oui. Un 9 sur la place. Ils disent qu'il est sur la place. Me dites pas qu'on est passé à côté, on n'a rien vu. Salut le diable des Wabers, comment ça va? Et de la part de monsieur le maire. Non mais c'était ça les gars. C'était ça en fait. C'était ça. Oh franchement je déconne. Il me dit que l'œuf il est... C'était ça, c'était bien l'œuf. J'ai pas lu la soluce complète. Hein. J'ai pas lu la soluce complète. C'était juste pour être sûr. Il y a bien une question d'œuf. On est d'accord. Il y a bien une question d'œuf. Et me dites pas que j'ai raté l'œuf, c'est pas possible. Ou alors je suis aveugle. Et là j'irai voir la rediff. Moi je vois pas d'œuf là. Je ne vois pas d'œuf. Ces endroits sont de plus en plus vivants. Très bien. Je me demande si je deviendrai plus intelligent en mangeant tout ce poisson. Plus intelligent, je sais pas, mais en tout cas, t'es très con. Par contre, les gars, je... sur la place, ils me disent un œuf sur la place. C'était au tout début. Un œuf. Oh les gars, je suis fou ou je suis le seul à pas avoir un œuf ici?
Yes, the game is perfect for streamer. Dans l'onglet FAQ du site Use Word. Ok, hein, donc ça peut se streamer. Alors, il y a même une catégorie Use Your Word sur Twitch. Ah ben, tu vois, c'est bon à savoir ça, Chef Puma. C'est très bon à savoir. Mais avec les questions du docteur Nintendo, les réponses du docteur Nintendo, ça fait peur. À streamer. Ça doit se streamer sur sur Discord en privé, cette histoire. Hein. Les gars, on est en galère. Hein. On est en galère complète. Alors, cherchons un petit peu, ça ne nous fera pas de mal. Ce putain d'œuf. Ma patience a des limites. Après, c'est surtout de l'implicite qu'on fait dans nos phrases. De l'implicite. De l'implicite. Me calmer, au moins mes réponses sont originales et recherchées. On est un peu en galère, les gars. Non mais attendez, j'étais sûr. Mais où est cet œuf de merde? Elle parle ou pas? Oui, ça veut dire que implicite, c'est le contraire d'explicite. Alors explicite, ça veut dire que c'est bien expliqué. Donc implicite, ça veut dire que c'est pas bien expliqué. les gars, franchement, là, il est où ce putain d'œuf? Il est où ce putain d'œuf? Mais y'a personne qui voit un œuf ici? Après, si t'invites pas n'importe qui à rejoindre la session, tu poses bien les règles avant de commencer et tu peux mettre des sanctions sinon respect. Ouais. Des sanctions. Après, tu te fâches avec les gens. Hein. Il est où ce putain d'œuf là? Il est où ce putain d'œuf? Non, mais sanctions, c'est façon de parler. Non mais attendez, je suis pas fou.
Normalement, il y a 9. Bon, attendez. Je vais aller taper sur le distributeur de fruits, là. Parce que je sais que ça, c'est un distributeur de fruits. Parce que le WAM a de la mémoire. Alors, on va voir ça de suite. Il y a combien pour l'équipe de France, là? On va faire ça. D'accord, j'ai les fruits qui tombent. D'ailleurs, il est tombé en bas. Ah putain, attendez. Il y a une croix. C'est pour une pièce bleue, bordel de merde. Non mais attendez, le fruit doit être ici normalement. Avec sa cousine, il perpétue la tradition nordique pour faire la phrase entière. Je recherche un œuf. L'œuf de Yoshi. Bah écoutez, on va découvrir un nouveau monde, je crois, là. Parce que l'œuf de Yoshi, s'il y est pas... Il est où cet enfant? Allez, c'est bon. Ouh lolololo, j'ai le cerveau en surchauffe, les gars. Là, j'avais le cerveau en surchauffe. J'ai failli lancer la manette contre le mur et la défoncer. Alors, on va aller dans le sous-marin. Comme ça, je serai un peu plus serein. On va aller voir c'est quoi ce sous-marin, là. Attendez, oh, c'est le bateau de quoi, là? C'est le bateau de Wind Waker. On va y aller dessus. On va aller sur le bateau. J'allais lancer la prédiction, je trouve l'œuf avant 22h55. Alors là... Bonjour, est-ce que tu pourrais m'aider? Il faudrait que tu m'apportes des fruits. Si je meurs d'envie de manger des noix de coco, tu veux bien m'en rapporter 3. Faut juste que tu déposes le fruit dans ce panier. Bon écoutez, je pense qu'il y a des noix de coco ici, non? Il y en a 3. Donc ce qu'on va faire... En mode easy, me dites pas que je l'ai détruite. Ne me dites pas que je l'ai détruite. Non, ça va, elle repousse. Oh putain, faut les choper en vol. Mais c'est pas possible! Mais comment tu veux les choper? Mais comment tu veux les choper? On va la mettre dedans. Comment je fais pour la poser? Comment je fais pour la poser? Comment je fais pour la poser, bordel de merde? Ouh, c'est en train de me gonfler, les gars. Dites pas qu'il faut que je la lance. Et là, il dit... Alors, attendez, je vais mettre sur le bord, au pire. Comme ça. J'arrive même pas à monter dessus. D'accord, ok. Une.
J'espère que c'est pour un soleil, je vous le dis. Hein. Parce que je ramasse pas les fruits au marché gratuitement, moi. Alors, est-ce que c'est pour un soleil? Il est content, il va pas mourir de faim. Oh, cette saloperie, sans déconner! Merci du fond du cœur. Oh, mais putain d'arnaque! La putain d'arnaque. La putain d'arnaque. La putain d'arnaque. On va aller au sous-marin. Parce que là, c'est déconné. Hein. Oh, la princesse! Elle se fait kidnapper par l'autre gélatine gluante qui vomit. Il vomit pas, il m'a tiré la langue, ce con. Oh my god, ils ont volé le vaisseau des tortues ninja. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux monter là-dedans, là? Ça va m'envoyer où? Oh putain, c'est le parc d'attractions, je crois, les gars. Parc Pina. L'apparition du Mecha Bowser. Eh ben, on va finir ce live sur un boss, les gars. Boss, boss, boss. Et je vais lancer la prédiction du first try, les gars. Prédiction. Du first try, les gars. Attention. First. Try. Vous m'aurez compris. Hein. Moi, c'est compliqué pour moi parce que je ne vois pas les... Là, je vous fais ça à l'aveuglette. Hein. Commencez. First try ou pas? Vous avez une minute. Une minute, first try, s'il vous plaît. Une minute. Le boss Mecha Bowser pour terminer ce live. Pariez, vous avez des sous. Lâchez les sous, les gars. Lâchez les sous. Rendez l'argent. Oh là là. Oh là là, ça parie 30. Il n'y a personne qui va parier contre. Personne n'a parié contre. 60, 147. Voir les détails. Vous avez tous dit oui. Pour 147 points de live. Vous êtes sérieux? Personne n'a dit non. Si vous perdez, vous perdez l'argent. Et si vous gagnez, vous ne gagnez rien. Parce que personne n'a parié contre, les gars. Bravo. Vous avez confiance en moi. L'apparition du Mecha Bowser. Si je perds mes 77, je te balance une honte. Allez, c'est parti, les gars. Oh my god. Elle est plutôt bien cette musique là, du parc. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Non mais t'es sérieux là, il m'a lancé sa carapace? On est d'accord, c'est de l'image de synthèse, là. Hein.
Ouah, le Bowser! Did the perpetrator get away? Oh la tronche! Il faisait des images de synthèse avec des polygones de 3D. Ça, c'est tout Nintendo. Incroyable! Est-ce que c'est notre nouvelle attraction? Vous êtes vraiment formidable! Je ne sais pas qui vous a engagé, mais il mérite une augmentation. J'adore la façon dont vous jouez le héros sans peur et lui. J'espère que je vais pas vous faire perdre vos points de live, les gars. Il est comme votre double maléfique, j'adore. En tant que directeur du parc, je peux vous assurer que vous allez voir un succès, énorme. Suivez-moi, je vais vous confier un véhicule pour jouer votre rôle. Alors, oui, il y a une histoire de missile qu'il faut lui lancer dans la tronche. Ça va être une galère, les gars. Oh putain, ça va être une galère. Une bilbole approche derrière. Et qu'est-ce que je fais? Je lui tire dessus, c'est ça? Oh putain, on va vomir, les gars. Bilbole derrière en approche, comment je tire? Oui. Je l'ai eu. Magnifique. Alors attendez, maintenant il faut que je chope. Oh putain, comment je fais pour l'esquiver celle-là? Ok, parfait, je l'ai eu dans la tronche, pas de fille. Alors attendez, mais... Ouf. Putain, magnifique. Ouh là là, bien esquivé encore. La bilbo, je sais pas comment l'esquiver. On va voir. Alors il est où? Il est où? Est-ce que je peux la voir là? Oh putain, en pleine trèche. Oh là là, professionnel gaming, est-ce que vous avez vu ce tir? Est-ce que vous avez vu ce tir, les gars? Putain, mais j'ai tiré là la bilbo, sans déconner. Putain, mettre la pression avec leur bip. Il est où? Je le vois pas. C'est un coup direct, mais... Eh, professionnel gaming, les gars! Professionnel gaming! Mario! Oh. Bébé Bowser! Ah, merci pour le GG, chef Puma, ça fait plaisir. Laisse ma maman tranquille. Le fameux pinceau magique. Comme quoi dans Super... dans Super Mario Bowser Fury, ils ont rien inventé. Ah merci, t'es 41 pour le GG. Oh, il s'en va comme un lâche. Eh les gars, c'est une grande réussite.
C'est une grande réussite, on l'a first try. Qu'est-ce t'en penses, Docteur Nintendo? Ah, Docteur Nintendo, il va lâcher quelque chose dans la boutique. Il va lâcher quelque chose dans la boutique, Docteur Nintendo. Qu'est-ce qu'il va nous lâcher? Allez, pendant ce temps, moi, je vais donner la réponse de la prédiction. Le Redim Anthony Gaming. Une femme bien armée. Ah, il a bien choisi son Redim. Ça, c'est le Redim qui fait plaisir. On l'avait oublié, d'ailleurs. Le Redim Anthony Gaming. Est-ce qu'il fait plaisir, celui-là, Anto? Une femme bien armée. Alors là, il fait plaisir, celui-là. C'est presque une relaxe, j'ai envie de vous dire. C'est presque une relaxe. Et franchement, j'ai envie de m'applaudir à moi-même. Anto, j'espère que tu es là et que tu es content. Allez, je vais valider votre prédiction. Choisir la réponse, c'était bien oui. Et vous avez été bon dans cette histoire. Vous avez été très bon, les gars. Vous avez été très très bon. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent lors de ce live. Je vais me renseigner pour l'encodage. On va voir ce qu'il en est avec Twitch. Et en tout cas, un grand merci Docteur Nintendo, merci Chef Puma, merci T41, merci Greg Le Whammer, merci Anto d'avoir été présent lors de ce live et je vous donne rendez-vous certainement, pas sûr, certainement demain pour un live Assassin's Creed Valhalla. Merci. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture, à jamais dans le tramway. Ne l'oubliez pas, surtout, à jamais dans le tramway. Merde, c'était pas le bon clip. Et de la part de Docteur Nintendo. Je ne dirai plus ce mot, Docteur Nintendo. Oui, j'avoue, j'ai failé le clip de fin. Là, je mérite les emojis fail. Hein. Et on a tapé le combo. Et je te le mets pour toi. Le redeem fail, normalement, il devrait apparaître. Et oui, mais vous lancez des redeems, les gars. Les redeems, c'est que sur la capture du jeu. C'est tout. Il a dit magnifique, Docteur Nintendo. Il a aimé son... Je trouve que le... Comment ça s'appelle? Le redeem de Anthony Gaming, c'est un de mes préférés. Un de mes préférés. Ah, il savait pas, Chef Puma. Il savait pas, Chef Puma. Je te rendrai tes 2000 points, Chef Puma. Fais-moi penser, lors du prochain live, de te rendre tes 2000 points. Un grand merci à vous. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway.